Good morning les potos. Bon, on est parti de San Cristobal hier à 6h20. On a pris le bus, on a eu un trajet qui a duré 13 heures. On a regardé sur Google, c'était à peu près 620 km, quelque chose comme ça. On a eu 2-3 haltes sur le trajet, donc ça a été cool, quoi, histoire de se prendre un petit caf et de se fumer quelques clopes. Donc voilà, le trajet s'est vraiment super bien passé. On a payé 980 pesos, ce qui fait à peu près 35-38 euros, à peu près dans le genre. Donc là, c'était quand même un billet qui était un petit peu plus cher, mais c'est normal, quoi, 620 km à se taper pour arriver ici. Donc là, on a changé de côté. On est arrivé côté océan Pacifique, donc à Puerto Escondido, vraiment un endroit qu'on avait envie de visiter. Et on a juste pris un taxi à la gare des bus, on avait juste eu un petit aperçu, mais déjà l'aperçu bien sympa. On est descendu notre montagne, et puis on arrive, là j'ai l'océan devant moi, donc c'est magnifique. Et puis c'est, je crois, la capitale des surfeurs. Il y a 30 ans, c'était plutôt la capitale des hippies au Mexique. Donc ça a un peu changé de destination entre temps, mais ça a l'air très sympa. Il y avait déjà plein de surfeurs quand on est arrivé dans l'eau, t'as déjà fait pas mal de prises de vue, t'es bien régalé. Carrément. Et on va recommencer tout de suite d'ailleurs. Bon, là on se retrouve, on est à 50 mètres de la mer. Donc là regardez, je vais vous montrer direct mes potos, regardez la vue qu'on a du balcon. Donc là-bas, je vais zoomer un petit peu, là je vois plus mon écran. Là-bas, on se retrouve, on a un peu la belle, endroit un petit peu développé. Et puis, nous, on est venu s'excentrer, mais légèrement, parce qu'on est qu'à 700 mètres du centre. Et puis là, la plage se calme. On a les surfeurs là-bas. Je zoome, je vois rien sur mon écran. J'espère que vous les voyez. Enfin, voilà les cocotiers, la plage. Vraiment super ambiance mes potos, donc c'est le bonheur quoi. Ce que je vais faire, avant d'aller faire notre petit tour, on va en profiter pour vous faire visiter la chambre. Alors de temps en temps dans notre trajet on se fait des petits cadeaux, parce que on va vous donner à peu près une moyenne. Jusqu'à maintenant on a toujours payé à peu près entre 35 et 40 euros les chambres d'hôtel, toujours des super chambres avec des piscines, des balcons. Donc on a ça à se diviser par deux, donc ça coûte pas grand chose. Et là on s'est fait plaisir, du coup ça nous a coûté combien la nuit? Un peu moins de 100 euros la nuit, on va dire 93 je crois. 93. Alors là, ce qu'on vient de payer, c'est en fait c'est les 50 mètres de la plage, balcon. On a pris un étage surélevé pour avoir justement cette vue magnifique. Voilà, on s'est fait plaisir. On a choisi une chambre un tout petit peu plus chère en regardant sur Booking. Et puis du coup, on est allé à un étage supérieur avec une vue de rêve, comme je viens de vous montrer. On va en profiter pour vous montrer un petit peu la chambre. Donc je vous fais une petite visite rapide, mes potos. Donc voilà, là on a la terrasse, la table, les chaises, le balcon bien sympa, la vue que je viens de vous montrer. Donc la chambre, donc deux grands lits. Là, c'est tout le bordel qu'on se trimballe pour vous faire de belles vidéos. Les ordi, les tablettes, le drone, la GoPro et tout le bordel. Donc voilà, là, une petite commode, un petit peu de déco au mur. On a le ventilo, donc ça, c'est cool quand on n'a pas envie de se servir de la clim qui est là-bas. Un petit peu de déco aussi ici, de quoi ranger les affaires. Là, on arrive, on a une petite partie lavabo qui est à l'extérieur de la salle de bain. Donc voilà un petit dressing pour poser un petit peu tout le bordel. Et là, je vous montre un petit peu la salle de bain. Donc les toilettes, toujours des grandes douches, bonne petite douche. Et puis voilà, et puis une petite vue un petit peu de l'arrière. Donc voilà mes potos, donc franchement, le bonheur. Ça fait vraiment plaisir d'être arrivé ici. Bon mes potos, on va aller se préparer. Et puis on va commencer à filmer, histoire de vous faire une belle vidéo comme d'hab. Bon, on se retrouve plus tard mes potos, à plus. Ciao les potos. Esta es la
trop beau. Mes potos, et ben voilà, une journée fabuleuse encore. Bon, on vient de passer 2 jours à Puerto Escondido, donc franchement, vraiment sympa. Bon, un petit peu plus développé que ce qu'on avait imaginé, mais vraiment bonne ambiance, c'était bien cool quand même, on regrette pas. Et toi, mon cœur, qu'est-ce que t'as vu pour la première fois de ta vie alors? Qu'est-ce qu'elle a vu? J'aimerais bien que je le dise. Non, si. Eh ben, j'ai vu des baleines à bosse quand même. On en a vu 4 ou 5 ouais, à peu des près. Belles. Beaucoup de dauphins. Évidemment, ça vit pas tout seul ce truc apparemment. Ouais, exactement. Il y en a. C'était magique. On a même un peu nagé avec eux, donc c'était sympa. C'était une sortie matinale. Ouais. Et puis bah, merveilleuse, quoi. Des tortues également, enfin voilà, en plein océan Pacifique, donc c'était magique. On avait rendez-vous avec Ressus à 6h30 du matin, c'est un gars la veille qui nous a catché sur une terrasse de bar. Bon, le mec il est arrivé, il a parlé 5 minutes, bon, c'était tout bon, on avait décidé que c'était lui. C'était, le mec vraiment. Le mec c'est voilà, vous venez avec moi, c'est garanti, vous verrez des baleines, vous verrez des dauphins. Bah, le gars il a assuré, il a tenu sa promesse et franchement c'était excellent quoi. Des dauphins, mais il y en avait 100, je sais même pas si c'était pas 200. On regardait tout autour du bateau, mais il y avait que ça de partout. Enfin, ça a vraiment été le bonheur, mes potos. Bon, comme d'hab, on va vous laisser. On va aller prendre notre douche vite fait. On a le check-in à midi. On monte dans un taxi, 80 km à se faire et direction Puerto Angel. Voilà, ça devrait pas être mal. Aussi. Ouais, je pense que ça va être bien. Il paraît que c'est moche, mais on va y aller quand même. Ouais, la différence avec ici, ce qui va se passer, c'est que ça va être beaucoup moins développé. Ça va être un peu ici, il y a 20 ans en arrière. Petit port de pêche, des grosses falaises en bord de mer. Donc ça risque d'être bien sympa. Bon, mes potos, on vous laisse. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À la Ciao, prochaine. Ciao. Yeah.